Le FONJEP est une association de loi 1901 créée en 1964 qui a une particularité, c'est qu'elle est co-gérée avec deux collèges, le collège associatif qui regroupe les associations et le collège institutionnel qui regroupe tous les ministères et les trois grandes collectivités, l'association des régions de France, des maires et des départements de France. Alors le FONJEP a mené avec notre partenaire Exopé, qui regroupe les employeurs associatifs, une enquête sur les difficultés de recrutement dans les métiers de l'animation en 2021. Et le constat est assez terrible, puisque aujourd'hui nous avons 10% de nos métiers, 10% des postes qui ne sont pas pourvus dans notre secteur. Alors, le FONJEP gère avant tout des dispositifs pour le compte de l'État. Parmi ces dispositifs, il existe ce qu'on appelle les postes FONJEP, qui sont des unités de subvention qui sont versées à des associations pour soutenir l'emploi associatif et donc soutenir la professionnalisation. Aujourd'hui, nous consacrons environ 58 millions d'euros de soutien aux associations sur ces postes FONJEP, qui sont de véritables leviers à la fois de maintien dans l'emploi, mais aussi de développement des projets associatifs. Donc si on souhaitait continuer, voire accentuer, je dirais, cet effet du FONJEP, je pense qu'il suffirait à un moment d'en développer aussi les moyens pour qu'ils puissent soutenir plus de projets associatifs et favoriser l'arrivée, notamment peut-être un peu plus de jeunes dans ces métiers de la cohésion sociale, du lien et de l'animation.